Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir le coffret Pikachu V. Du coup voilà, c'est un coffret que j'ai trouvé à King Jouet, donc au prix de 25 euros. Voilà, vous avez, on dirait deux stars étincelants, un point de fusion et un ténèbre embrasé. Donc c'est quatre séries que je veux ouvrir tout simplement parce qu'il me manque des cartes de Mimiki, de Darkrai, de Noctali, enfin des cartes que je collectionne, Ectoplasma aussi. Du coup je vais déceler ça et je vous retrouve tout de suite après. Du coup me voici avec le coffret décelé. Je me demandais si la Mimiki était une promo ou si c'était celle de Ténèbres Embrasées. Bah du coup c'est celle de Ténèbres Embrasées, c'est top, je ne l'avais pas. Même si bon une promo ça aurait été, une vraie promo ça aurait été cool quand même. Hop, je vais la sortir avec une petite protection, j'aurais dû le faire avant. Mais voilà, je vous le fais en direct. Hop là, on va sortir tout ça. Hop. Et du coup, la voici. Donc ce qui m'intéressait, la petite Mimiki Holo de Ténèbres Embrasées, la 81 sur 189. Ça c'est cool, ça va compléter un petit peu ma collection de ce Pokémon. Ensuite, on a la promo de Pikachu V. Donc c'est la SWSH 198. Hop, donc celle-là sera à la vente ou à l'échange. Je ne collectionne pas les cartes de Pikachu. Le petit code juste pour vous. Hop, et la jumbo aussi qui sera à la vente ou à l'échange du petit Pika. Donc elle est très mignonne cette carte. Hop, je vais la pousser un petit peu. Et pour les boosters, j'avais bien vu, on a hop, deux stars étincelants. Du coup avec Dracaufeu et Farfait UV. Hop. Un ténèbre embrasé avec Eternatus et du coup un point de fusion avec Genesect. On va s'ouvrir ça du coup comme ça, du plus ancien au plus récent. Donc là dans Ténèbres Embrasées, il me semble que du coup il manque que Darkrai. Je crois qu'il n'y avait que deux cartes qui m'intéressaient dans cette série qui pouvaient rejoindre ma collection. Oui, c'est un 2, 3, 4. J'espère que je ne me trompe pas, non c'est bon. Du coup, une énergie haut, je pousse un petit peu tout ça. Infect, Diamat, Brésillon, ensuite on a Chacripan, Étourmi, Galekid, Polarume, ok, Brindibou, trop mignon. En reverse, nous avons Escargot, mais derrière, Faramp en rare. Bon, rien de fou, rien de vraiment intéressant dans non, Ténèbres Embrasées, j'aurais pas eu le Darkrai encore. Ensuite, on passe à point de fusion. Hop là. Le petit code encore pour vous. Et du coup, est-ce que ça va nous donner un petit ectoplasma? Ça serait génial. Aflamanoir, Cuisinier, Fourbelin, Cradopouf, Mucuscule, Flamajou, ensuite Embroché, Snubbull, Gobou en reverse et derrière, rien du tout. Arcanin en rare. Ils sont pas chanceux ces coffrets pour le moment. Est-ce qu'on va tout avoir dans Star Étincelante ou est-ce qu'on va rien avoir du tout? J'ai mon copain qui en a ouvert hein, donc de ce coffret-là, il s'en était pris un hein, aussi. Ah, on a au moins une holo. Et il a rien eu du tout. Même pas d'holo, rien du tout. Il a eu que des rares. Pas de TG non plus dans Star Étincelante. Donc ils n'ont pas l'air méga chanceux. On va voir avec les deux boosters qui nous restent. Alors, Noix de Coco, Gant de Chasse, Dimoré, Tiplouf, Balignon, Chacripan, Skelenox. Très jolie cette carte, je l'aime beaucoup. Farfuré, en reverse, donc pas de TG, d'Eden. Et derrière, une holo, Karchakrok, que j'avais déjà pioché deux fois, je crois. Hop, ça tombe. Voilà, dernier booster. Franchement, ils sont pas fous ces coffrets. Je sais pas si vous en avez ouvert vous de votre côté, mais dites-moi si vous avez eu plus de chance que nous, parce que là, c'est pas génial. Bon, là on a rien au niveau, de la rare. Peut-être qu'on aura une TG. Hop, allez. Une énergie acier, attention de Chiren, Polagriffe, Stade en ruine, Balbuto, Stalgamin, ensuite Starinor, Deden, est-ce que c'est la reverse?
Oh non, on a une reverse. Polarum. Du coup, sauvegarde de rose en reverse. Et derrière, Papylord. Du coup, rien du tout. Bon, bah voilà. C'est fini pour cette vidéo. Un coffret catastrophique. Donc, c'est les deux qu'on ouvre et les deux, du coup, on n'a rien du tout. Bon, j'ai une petite lot. Donc, de Karchak Rock juste ici. Mais voilà. Rien de fou. Un peu déçu. Mais j'ai ma petite Mimiki. Et ça, c'est top. Au moins, j'ai une carte qui va rejoindre ma petite collection. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.